Disons bonjour au prophète Moses Daré pour le fait que ce matin il nous rend visite dans les locaux de la Frat Jeune Côte d'Ivoire. Et donc ce matin, prophète Daré, bonjour. Bonjour, monsieur. Et alors donc, nous vous demandons ce matin, après avoir reçu les puces flottes de la part de la Frat Jeune Côte d'Ivoire afin de pouvoir distribuer à tous les chrétiens évangéliques, pardon, les chrétiens chemin Séraphin, alors quelle est votre stratégie, votre schéma? Oui, bien, merci beaucoup. La stratégie que c'est déjà sur le plan, c'est pour voir tous les membres de la Chevrolet Séraphin, toutes les paroisses, les présidents, toutes les chargées, et puis qu'on parle pour que cette flotte n'ait qu'à parcourir partout ici en Côte d'Ivoire, pour qu'on se communique facilement entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le numéro de leur ami pour l'appeler. Aussi, dès qu'on a déjà eu ça là, ça va nous faciliter beaucoup. Merci beaucoup. Et déjà, quelle organisation Chérubin Séraphin avez-vous déjà rencontré? Ouais, dans tous les premiers lieux, j'ai déjà rencontré l'association des prophètes et prophétesses de la Côte d'Ivoire. Donc, dans les prochaines réunions, dans quelques jours, cette flotte va se présenter là-bas. J'ai déjà contacté le capitaine prophète, senior prophète, Olusegun Adetokun Olusho. Comme c'est lui qu'on a choisi comme les capitaines. Donc on a eu à parler, il y a la prochaine réunion, on va lancer ça devant les autres membres. Oh. Et aussi il y a les autres organisations que je vais rencontrer, l'association des visionnaires au niveau des chemins Séraphins, les églises évangéliques, qu'on priait ensemble, on fait les œuvres dédiées ensemble, et les déjà croisés. Donc, ces flottes-là sont morts et l'attendaient pour que je n'ai qu'à présenter et puis ça va aller bien. Ok, que Dieu nous bénisse. Donc, on doit compter sur vous et pour que vraiment la paix règne ici en Côte d'Ivoire et parmi les chrétiens. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup, papa. Que tu bénisses. Merci beaucoup.